Il est clair que ce que l'on est est une représentation de soi qui a été. Ce vécu que l'on a eu, on l'a mémorisé et on se donne d'être ce que l'on sait de soi. Et ça, ça fait le personnage. Le personnage qui a des connaissances, qui a des acquis. Et lui, ses acquis, ce sont tout ce qui a été fait, tout ce qui a été emmagasiné de par le passé, restitué là, maintenant, en tant que ce que je pense être. Ça ne te donne pas l'envergure de ce que tu es pour de vrai. Ce que tu es n'est pas le passé, n'est pas ce que tu as acquis, n'est pas ce que tu sais. Ce sont des mémoires, une information, et tu te donnes d'être à partir de ces informations. Mais ce que tu es pour de vrai n'a rien à voir avec tout ça. C'est pour ça que ce personnage que l'on se fabrique, ce soi que l'on se dit être, là-dedans, il y a une... Là-dedans, il n'y a pas une grande... Là-dedans, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de réalité en fait, puisque tu viens du passé et tu te consoles d'être ce que tu sais. Comme tu ne sais pas ce que tu sais, comme tu ne sais pas qui tu es, alors tu te consoles d'être ce que tu sais. Et ce que tu sais devient très important. C'est-à-dire, tu fabriques à ce moment-là ce personnage. Tout ce que tu as reçu du passé est très important. Tu te donnes une allure, un rôle, à travers tout ce que tu as appris, toutes ces informations que tu détiens, te donnent l'occasion de te faire valoir à travers ce que tu as vécu. Donc, tu n'es pas en fait en train de vivre, tu es en train d'être ce que le passé propose. Tu ne vis pas la vie. La vie, c'est quelque chose qui vient d'instant en instant et qui n'a rien de ce qui est passé, de référence du passé. N'a rien à voir avec ça. Le personnage est constitué de cette image. Mais là, il n'y a rien, parce que ce n'est que l'image, l'apparence d'un passé qui veut se faire valoir. Donc nous sommes, de par nos expériences, nos pensées, nous sommes le passé. Le passé qui se répète. Et nous croyons être cela. Nous nous donnons... Nous nous identifions à cela. Nous sommes référencés. Nous sommes programmés à être ce que le passé propose. Et dans ce cas, cet état d'esprit, cette entité que tu te donnes pour te faire remarquer, si tu veux, pour faire en sorte que tu existes, cette entité n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le personnage, l'ego, qui veut se faire valoir. Parce que cette connaissance, elle donne de la valeur à l'entité qui s'est identifiée à ça.
Parce qu'il est quelqu'un. À travers tout ce qui a été vécu, il est quelqu'un. Il est reconnu dans le monde. On lui donne une image, on lui donne un rôle, on lui donne une stature. On lui donne d'être ce qu'il est. Et en fait, tout ça, c'est des jeux de mensonges que l'on se donne tout un chacun pour pouvoir paraître face aux autres dans nos relations. Nos relations sont faites de contact d'image à image. C'est-à-dire, le passé revient dans ce présent et c'est le passé qui fait en sorte que nous sommes en contact. Le contact d'image que nous avons, c'est-à-dire lui c'est un Américain, lui c'est un Chinois, il y a un contact mais seulement d'image. Il n'y a pas de réalité. Il y a une illusion de se donner, de croire qu'on est quelqu'un. L'entité. L'entité qui s'appelle moi. Il s'est donné de l'importance avec son passé. Son passé est très important. Donc il s'est constitué un personnage. Et ce personnage ne veut pas mourir. Parce qu'il doit exister pour pouvoir faire en sorte qu'il existe dans ce monde. Donc, ce personnage s'est cultivé à travers des millénaires et des millénaires pour pouvoir faire en sorte que nous ayons une société où nous vivons les choses avec les références du passé. Tout ce qui est fait dans ce monde, nous le retirons de notre passé, de nos expériences. Et nous les mettons en valeur, nous les concoctons dans notre présent et puis nous les mettons en valeur dans le futur. Et nous espérons que ce futur sera mieux que ce que nous avons. Donc c'est une quête sans fin de faire exister le passé dans le présent pour pouvoir le concocter et puis l'envoyer dans l'espoir qui nous donnera un espoir d'être mieux, un avenir qui ne ressemble pas à ce qu'on a déjà vécu. Et on appelle ça évoluer. On a évolué avec les éléments du passé. Les éléments du passé nous ont donné la chance d'innover les choses pour que ces choses puissent se transformer. Donc nous avons tout un chacun la faculté de créer à partir du passé. À partir de ce que nous avons appris, nous créons des nouvelles choses qui sont là parce que nous avons décidé de regarder au-delà de ces habitudes et de ces trains-trains et nous avons voulu faire innover ces choses-là. Et elles se sont innovées. Mais ce que tu es n'a pas changé. C'est juste le passé qui se concocte et qu'on envoie dans l'espoir pour pouvoir avoir une meilleure vie. Entre guillemets, une meilleure vie. C'est-à-dire, il n'y a rien de meilleur, il n'y a que la répétition. Mais tu ne le vois pas comme ça. Tu vois ce meilleur comme si c'était quelque chose que toi, tu as fait. Ce que tu veux, ce que tu aimerais, ton ambition, créer des choses et en fait tu poursuis l'idéal de tout ce que tu penses. Ce que tu penses être mieux, tu vas le créer et tu vas dire, ben là j'ai quelque chose de mieux qu'avant. Mais en fait, tout vient du passé. Et c'est une course sans fin qui ne cesse jamais. Parce qu'en fait, la vie en elle-même, elle ne marche pas comme ça. Ça, c'est la vie que nous avons mis en place. C'est-à-dire, ce que nous sommes est devenu le passé glorifié. Un passé qu'on a glorifié et qu'on a mis en avant. Et tout ça, c'est l'activité de l'homme sur la planète Terre qui fait que tous les jours, nous nous activons
à devenir ce que nous ne sommes pas. Nous voulons être ce que nous projetons. Nous projetons une vie idéale et nous le construisons à partir du passé. Mais il n'y a rien de neuf. Tout se perpétue dans la répétition de ce que le passé propose. Et le temps continue à être présent. Nous sommes prisonniers de tout cet affairement qui ne cesse jamais de se répéter. Depuis des millions d'années, ça se répète. Ça se répète et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue. Une impression parce que, en fait, c'est nos expériences nous apprennent à faire, à améliorer les choses. Aujourd'hui, avant, nous avions des petites lances au temps des Cro-Magnons pour se mettre en sécurité. Aujourd'hui, nous avons évolué. Bien sûr, nous avons un bouton et nous appuyons dessus pour nous mettre en sécurité. C'est-à-dire, nous sommes beaucoup plus sophistiqués. Mais cette sophistication vient du résultat de ce que nous avons appris. Et nous accumulons les informations, et de plus en plus, toutes ces informations deviennent extrêmement importantes. Et nous croyons que nous savons quelque chose. Mais en fait, nous ne savons rien. Nous n'avons que répété ce que le passé nous propose. Et nous l'avons mis en place comme étant quelque chose de mieux. Donc, on a appris à retenir les expériences, les conditions, nos vécus. On a appris à les retenir dans la mémoire. Et après, on le concocte pour faire en sorte qu'il y aura. On envoie ça dans l'espoir. Cet espoir est fatidique pour la race humaine. Parce que c'est ce que nous croyons. Nous croyons être cette entité qui va avoir un état qui va lui être donné. En fait, il poursuit son désir d'être extraordinaire. C'est-à-dire, tout ce que la vie nous propose, toutes les mémoires, on les ramasse et puis on se donne d'idéaliser une vie pour soi. Donc, tu te dis être quelqu'un de bien parce que tu as évolué, parce que tu es devenu ce que tu voulais être, tes ambitions. Et tout le programme de notre société te donne de la valeur à travers ce que tu vas être, ce que tu te donnes d'être. Donc c'est ce personnage qui est glorifié dans ce monde, c'est-à-dire l'image que, dans laquelle tu te représentes. Mais cette image n'est pas une réalité. Elle n'est pas toi, c'est une image de l'apparence, puisque ce sont des informations que tu as prises du passé, pour pouvoir exister avec. Et tu te donnes une allure, une posture, un rôle. Et tu joues ce rôle en te donnant un peu de valeur. Donc, la valeur que l'on se donne, c'est toute cette activité que l'on est en train de faire tous les jours pour pouvoir arriver à être celui qui est dans sa zone de confort. Une zone de confort qu'on construit. On s'attache à ça et ça donne naissance à ce que le personnage propose. Le personnage, c'est justement ce que tu te donnes d'être et qui est en train de se promouvoir dans les relations. On se donne de la valeur. On dit « moi je suis un tel, moi je suis américain, moi je suis ceci, moi je suis cela ». Moi je suis riche, moi je suis pauvre, moi je suis voyou, mais lui là-bas c'est un grand de ce monde. Et en fait, toute cette activité, c'est l'activité de ce personnage.
Peu importe si tu sois voyou, méchant, gentil, égoïste ou pas, c'est toute l'activité du personnage qui est en train de se faire valoir dans sa quête pour pouvoir avoir l'ambition d'être quelqu'un. Parce que tu as peur de ne pas être quelqu'un. Ce quelqu'un pour toi est très important et tu le gardes. Donc tout ton passé, tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris, toutes les conclusions que tu fais est devenu ce personnage que tu es. Et quand tu es cela, tu as beaucoup d'arrogance parce que tu crois savoir. Tu fais des conclusions. Tu es contraire à l'autre. L'autre est dans sa vie et toi, tu es dans ta vie et chacun regarde midi à sa porte et ça fait que personne n'est jamais en harmonie les uns avec les autres. On est tous décalés parce que chacun cherche à atteindre l'état suprême. Il y en a qui veulent atteindre le nirvana. Il y en a qui veulent atteindre d'être millionnaire. Il y en a qui veulent atteindre d'être celui qui plaît. Tout ça, c'est l'activité du personnage. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de vie. La vie n'est pas là. La vie est en dehors de ce que le personnage produit. La vie, c'est en dehors de ces sentiers battus que nous avons étalés autour de nous. Nous marchons toujours sur les mêmes traces, les traces du passé. Et tout ça, c'est de la répétition. Et ça devient monotone. Et parce que ça devient monotone, alors l'engouement pour devenir est encore plus fort. Parce que tu ne veux pas être face à cette monotonie, à cette insatisfaction, à ces souffrances que tu as de ne pas être vrai. Parce que tu es une image. Et tu souffres d'être une image. Parce que cette image, tu es obligé de mentir à toi-même. Tu n'es pas vrai. Se mentir à soi-même, c'est parce que tu ne te reconnais pas, tu renies l'état de ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai n'est pas une image. N'est pas une ambition que tu veux atteindre. C'est pas quelque chose que tu dois être. C'est seulement ce que tu es là. Et ce que tu es défie tout ce que tu penses pouvoir faire pour y arriver. Tu ne seras jamais, jamais satisfait de ce que tu cherches à être. Parce que tout ça, c'est un programme qui a été laissé par le passé. La seule chose que tu es vraiment, c'est la vie. Cette émergence qui est là maintenant, qui coule d'instant en instant, qui n'a pas les références du passé, ni les projections du futur. C'est juste une information qui vient de l'éternité. Une information qui coule, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, puisqu'elle vient de l'éternité. Dans l'éternité, il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Elle vient de là, cette information. Et cette information, c'est un flux qui coule à travers toi. Et ce que tu es, ce n'est pas celui dans lequel coule la chose, mais tu es la chose, c'est-à-dire cette émergence qui coule. Et parce que ce que tu es, le personnage que tu es, est dans ce corps, alors ce corps, c'est à toi de le maîtriser pour laisser être ce que tu es. Donc tout l'ensemble marche ensemble. Donc tu dois reconnaître, il est nécessaire pour toi de reconnaître que ce que tu es dans ce corps n'est pas ce que le passé propose. Ce que tu es dans ce corps, c'est l'émergence de la vie qui coule. Et c'est cela, la réalité de toi-même. À ce moment-là, il n'y a plus le personnage. Il y a juste la vie. Il y a juste la joie. Il n'y a plus la tracasserie de
vouloir devenir ce que tu n'es pas maintenant. Il y a juste une présence qui coule, qui est là, qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui est là, juste présent. Et comme il est présent, alors il voit. Alors que lui, le personnage, il n'est pas présent. Le personnage, lui, il se donne d'être ce que le passé propose. Et le passé n'existe pas. Donc il n'y a pas de présence. La présence, c'est la vie. Et la vie défie le personnage. Donc le personnage a un gros problème avec la vie, avec ce qui coule. Et souvent, ce personnage résiste. Il y a une grande résistance, il y a les peurs, il y a les émotions qui sont en effervescence. Parce que ce qui est vrai donne le là pour que la vie puisse être vécue. Et cette vie, pour la vivre, il faut que tu abandonnes ce que le personnage veut, ce que le personnage désire, toutes ses ambitions, toutes ces histoires qu'il a amassées. Il faut abandonner parce que si tu gardes ça, eh bien, tu ne peux pas être l'expérience qui coule, la vie qui coule. Et ça, c'est la nature profonde de l'esprit. Un esprit libre, il est cela. Il est libre de toute image, de toute chose à devenir. Il est cela. Et quand tu es libre, alors cela se donne d'être. Et là-dedans, il y a une grande joie parce que tu n'es plus celui qui veut, celui qui a les tracas pour pouvoir y arriver, pour pouvoir jouer son rôle, pour pouvoir exister en tant que tel. Parce que tout ça, c'est des mensonges qu'on se raconte pour se réconforter, de ne pas être face à cette effervescence qui coule, parce que c'est ça que tu es. Et pour la plupart, être cela, c'est un danger pour le personnage. Parce que le personnage, lui, il veut exister dans le temps. Alors que le flux de la vie existe dans l'intemporel. Il n'a ni commencement ni fin. Et il est éternel. Alors que le personnage a un début et une fin. Donc, quitter ce personnage, mourir à ça, ça veut dire que la vie, elle est là. Automatiquement, elle fleurit, elle sort de toi comme une grâce, une beauté. Et cette beauté donne l'ambiance où la paix peut s'installer. Parce que cette présence, c'est la paix. C'est le calme total. Il n'y a pas le personnage dedans. Il n'y a pas celui qui veut. Il y a juste le calme. Et ça, c'est ce que tu es.